bleu, blanc, rouge. Ouais. Voilà, on était des gars pas faciles, donc c'est bleu, blanc, rouge nous représentait vraiment. Donc on l'a sorti en premier single et ça a foutu une claque à tout le monde. Et faut dire que Seb Farran, il avait aussi une vision. Comme lui, il était sélecteur, etc. Tu vois, par rapport à... moi, j'ai jamais dit que j'étais membre de Ragasonic ni rien. Je leur ai produit des albums. Ouais. Tu vois. Mais lui, pour moi, lui, c'était le troisième membre de Ragasonic parce qu'il avait une vision du truc. Il avait la même vision que moi, tu vois. Donc, on est tous allés dans le même sens. Bien, alors que les maisons de disques, à l'époque, faut dire, de sortir un album hardcore, reggae dancehall, dans le... Tu vois, il faut se représenter, tu vois, où c'était quand même en France. C'était un alien, le truc. C'est clair. Personne ne voulait nous signer. Quand c'est sorti, le truc, sans déconner, même avant, les mecs des maisons disques, ils se grattaient la tête. Ils se disaient, c'est quoi ce truc, tu vois? Comment on fait? Quand on a fini l'album, on a fait le tour. Parce qu'il n'y a personne qui faisait ça avant. Il n'y avait pas, eu les groupes de reggae, les mecs qui faisaient du reggae, tu vois, sympa, tu vois, radio.